Bon, si on lui dire Cassio, Kai'Sa. Qu'est-ce que c'est que ce truc sur le skin de Kai'Sa, mec, t'as déjà vu ça? Renek, Zac, Vel'Koz, Tristana, Lulu. Oh, stylé. Stylé, c'est pas forcément ce que j'aurais dit. Bon, on est en plate. Ok. Ah ouais. Et par contre, dans notre team... Voilà, le Smurf, un de plus. Mec, c'est un truc de fou. Oh là, mais les win rate! C'est vraiment pas de chance, hein. Allez, go tryhard ça. Ah, ça va être encore compliqué. 38%, putain. Ouais, petit souci de win rate diff hein, sur nos match-up. Ah, je sens que la triste de 20 à 29, hein, c'est. Bon, on va tryhard, ça va bien se passer. Ouais. Oh, déjà, on a un top laner qui cover. Déjà, rien que ça me met du baume au cœur, gros. C'est. Enfin. Je suis présent. Je sais que tu peux compter sur moi pour ça. Ah, bah, je sais que je suis en bonne compagnie. Bon. Exhaust Kai'Sa. Non. Bon, je vais rush les Mercuries à mon avis contre leur compo. En run, ouais, les deux compos sont pas trop dégueux, il y a moyen de faire des trucs. Ça va jouer au skill, je pense. Oh, le Zac, je vais jamais le tuer, ça va être infernal. Renek, ça peut se tuer, Vel'Koz, ça peut se tuer. En vrai, Vel'Koz, ça a pas trop de mobilité, hein. Il y aura peut-être moyen qu'on le punisse, mais. Ouais, Vel'Koz, c'est assez. Faut casser la distance, quoi, c'est ça le problème. Après, je pense qu'on gagne de ouf les 2v2 en mid lane. C'est pas dit, mec. Zac, c'est quand même violent, hein. Ça va vraiment dépendre de comment on arrive à poser les dégâts, mais. Moi j'ai le souvenir de quelques games où je suis allé gank avec des Zac, le Zac il avait deux en fait, hein. C'est très compliqué. Un point. Ouais. On est sur un traumatisme, c'est réel. Qui c'est qui se passe, qui spam ping que je l'ai vu? Il commence déjà à péter un câble là, le. C'est marrant, c'est comme par hasard, c'est le mec à 39% minerai qui spam ping, c'est vraiment. Vraiment bizarre. Ça voudrait dire qu'il y aurait un lien. La corrélation magique. Premier sang. Bon. En vrai, il y a peut-être moyen de tenter un truc top là. Et non. Je suis juste au-dessus de toi, je fais le carap et j'arrive. Mid lane? C'est pas impossible de faire un truc. Mec, c'est Tristana 2-0, hein. C'est terminé, je pense. Insane. Désolé d'avoir pris le kill, mais. T'inquiète. C'était parfaitement timé, ça, c'était bien. Là, ta flash, mec, elle l'a fracassé. Il peut pas flash quand il est sur la flaque, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais, bah ça l'a détruit. Il a pris des. Ta flaque, mon stun, ouais, on a parfaitement géré ça. Mais par contre, la botlane, mec, ça me fait vraiment très très peur. Les deux sont déjà morts. Oh là là. Oh. Gros, mais il est sérieux lui? Putain, j'ai plus de mana. Je pouvais flash in et prendre le kill, mais j'ai plus de mana. Mec, c'est terrible. Terrible ce qui vient de se passer.
T'arrives à prendre un shutdown sur un ADC à 4 minutes de jeu. De toute façon, voilà, je t'avais dit, elle a un KDA de, je te répète, 19,7 pour 4,3. KDA moyen. C'est du smurf vénère, elle est sans compte level 40, c'est bon. On va encore s'amuser. En vrai, il devrait dégager ça des games normales. Enfin, je sais pas pourquoi nous qui sommes sur nos comptes normaux, on joue contre ça, c'est insupportable. Enfin, bref. Après, son win rate overall, il est pas incroyable. Ouais. Enfin, je crois que j'ai pas vu de win rate qui m'a choqué, quoi. À part celui du Ouais, elle a 61%, mais sur 21 games, tu vois, donc... Ouais, bon, j'avais ça il y a 3 games avant d'en perdre 3, là. Avec un KDA de, 19 pour 4. Ah non, mais c'est chiant, quoi. C'est gagnable, hein, je go tryhard, mais c'est relou. Surtout que, comme je te disais, les smurfs, c'est tout le temps en face. C'est jamais en allié, c'est ça que je trouve incroyable. Bon, je go Omega Grid, le Drake. Ah bah, c'est... Voilà, évidemment, je mets une auto, on se fait saucer. Alors elle, par contre... Mais putain, mais il est trop con, il l'a bump en arrière. Il y avait le kill. Elle avait Dashin. J'essaye ou quoi? On est en zone. Pour prendre cancel, c'est un infernal, ça fait mal au cul. Eh, hey, il est niveau 4 le con! Ouais, c'est un peu un bouffe lui. Vas-y, récupère, claque le passif. Faut y aller sur Triste. Tu vas le tuer ou quoi? Vas-y, prends le Zac. Ok, ça c'était insane, bah GG à tous. Yes, j'ai Master Kag. Encore une fois, mon engage du Drake, 0 vision, 0 de QI, a fait le taf. GG Grifox. Mec, par contre, ça aurait pu être plié 20 secondes plus tôt. Hein. La Triste, elle a dashin, j'avais le stun qui était prêt, et le Alist, il l'a bump en arrière, ça rend fou. C'est vraiment très grave, mais bon. On s'en sort bien. Allez, on prend le Drake. La petite ping stratégique. Bon, mais ça se passe terriblement bien, là, pour l'instant. Moi, j'ai encore mon flash en vrai. Hein. Je suis pas vu. Je vais aller... Non mais il faut qu'ils arrêtent, là. Je vais juste prendre le raid, moi. C'est dramatique. Elle va être en 15-0, il n'y aura rien à faire. Oh, j'avais envie de le flash in lui, mais. Moi, je lui bolosse son raid, déjà c'est pas mal. On va prendre un Zac là. Un flash in sur un Vel'Koz, t'en penses quoi? Ouais, je suis ok. Ah, là c'est un peu chaud. Il doit avoir la vision, je sais pas quoi. En vrai, ça peut se tenter, mais on va se prendre le... Bon, le Zac, je lui ai mis une telle sauce, là. Je t'avouerai qu'il a plus des masses de PV, il a plus de passif non plus. Ah ouais, là, récemment, là. Ouais, juste à l'instant, j'ai failli le tuer à son raid. Mec, mais à chaque fois, elle prend quand même un kill, hein. C'est terrible. Hein. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de mana. Vas-y, bon, elle ramasse les kills, c'est pas mal. Je vais lui laisser gérer son truc. A chaque fois, mec, le Alistar, il arrive à crever dans le fight alors qu'il a, il peut jouer, bien jouer ça, le kill en V1. Il a claqué barrière ou pas? Il a claqué barrière et flash. Oh, j'ai encore mon flash, moi, donc on va aller l'abuser un peu. Mais le Alistar, il me fait vraiment peur. Hein, bon. Enfin, de toute façon, voilà. Les 38% win rate ne sortent pas de nulle part, hein, évidemment. Ouais, en fait, il faut leur dire que si elle se fit pas, il y a vraiment aucun univers où ils gagnent la game, donc il suffit de pas la fit, quoi. Ouais, mais tu vas voir que... On parie que avant 15 minutes de jeu, elle a 10 kills. Je connais ces games, moi. Je les connais, ces games. J'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu ce genre de choses. Ça va être dramatique. Vas-y, je vais aller chercher le Zac. Je lui mets 3 levels au Zac, mec. C'est une leçon que je lui mets, là. Ah bah mec, le 3-0-3 quoi. Ok, c'est bordé là, un relou. Fais gaffe, oh, ouais, Vel'Koz là pour collapse. Allez, pêche. Attends, déjà je vais venir top. Hey, je l'ai tellement bolos. Allez hop, hot play, le flash parfait. J'y vais. Est-ce qu'il a encore un ulti? Y'a Vel'Koz qui vient ou pas? Non. Là il commence. Je peux pas trop l'empêcher. Je vais juste push. Il est sur moi ou pas? Ah, je pensais que tu le tenais.
Ok, vas-y, je vais prendre le bleu en vrai. Je pense pas qu'il chase, je pense pas qu'il soit là. C'est peut-être un peu boldy ce que je fais, mais. Oh le Zac, mec, je lui mets une de ses branlées, c'est terrible. Je me sens mal pour lui. Je vais aller faire le Herald en vrai en sneak. Je peux peut-être venir sur Vel'Koz, mais j'ai pas trop de moyens de casser de distance. Là, j'ai plus de flash pour le coup. J'ai lâché le meilleur flash de ma life sur le move top là. Bon, c'est bien, je vais go Herald. Ensuite, j'ai un full clear, un red buff et je viendrai peut-être repasser mid si je peux. Kai'Sa qui come back. En vrai, elle a pris 2 kills sur mon dernier move, c'est bien. Ma mec, incroyable, elle a tué triste. Serait-ce une game gagnable finalement? Ah bah là, bah là, bah là, bah. Oh putain. Je me suis chié dessus. Mais. Incroyable. Incroyable. J'en ai jamais douté, hein. J'ai toujours eu confiance en elle. Je vais grid comme un connard. J'arrive vers Almid. Hein. Y'a méga moyen qu'il grid pour essayer de me tuer en plus. Ah là, tu forces un peu peut-être, non? Comment? En vrai, s'il s'approche. Je vais te montrer comment on claque un Herald, ça va te faire rire. Il manque tellement peu de gold. Oh, c'est sérieux cet Herald. Ah, mais je voulais tuer le Zac, mais il a eu le temps de sauter. Je vais me prendre le Renek. Vas-y, je grid, quitte à grid. Il y a 320 gold, GG à tous. Je lui ai fait claquer le flash. Il se chie dessus. Ah, mec, je lui mets tellement de level, gros. Il prend un combo, il est mort en fait. C'est... Oh oui, le Sion. Ah, mais là, mais bien sûr. Tu dois avoir 3000 gold sur toi là, non? 3057 pour être précis. Bon, le Drake là, je le laisse, j'en ai rien à secouer. De toute façon, il n'y a pas de jungler en face. Ça peut se contest. GG mon bro. Bon, le Sion il fait le taf. Vas-y, je vais rush le Drake quand même. Je vais aller chercher la bot side de jungle du Zac. Je veux qu'il touche aucun sbire en fait. C'est clairement le plan. Tac. Tac. Vel'Koz qui a du mal à toucher ses sorts. Ouais, c'est un disrespect hein, qui est proposé envers le Zac en face. Toi, t'es bien aussi. Moi, je suis ultra bien, gros. J'ai 122 creep ouais, à 12 minutes. Je vois ça, t'as bien géré. T'as l'avantage ou pas dans ce match-up? Je sais pas, c'est longtemps que je l'ai pas joué, puis il a tellement mal joué que... Ouais. Enfin non, tu me diras, je préfère jouer Vel'Koz dans le match-up, en tout cas. Après, je joue les deux champions. On le poule, hein. La bonne nouvelle, c'est que je mets 3 levels à Zac, donc pour le smite, ça va régaler. Je suis laissé de côté en vrai. Ouais, c'est vraiment pas de chance pour lui. Par contre, le raid, à quel moment ils ont fait le raid hein? Bon, j'ai mon estropieur, je peux éventuellement faire un dash in sur un Vel'Koz s'il y a un catch à faire. Oh, bah il est là. Hein. Ah merde, dommage. Ok, il bouffe du mana. J'ai toujours ma pink, mais elle est tellement strat la pink là. Normalement je peux venir là, je suis pas vu, il n'y a pas de Zac. Non, il a chaté. Vas-y, j'y vais, mais j'ai toujours peur d'engager avec eux, j'ai tellement pas confiance. Voilà, juste petit truc, on claque un flash. Allez, je la fracasse. Oh, voilà. Elle s'est fait tuer en plus. Oh, c'est pas grave. Ok, il y a un flash encore là. J'y vais, je m'en fous. À l'infini. De toute façon, t'as du backup, hein. Jamais tu te fais tuer. Oh non! Je suis tellement un boss, gros. Petit combo. Mais c'est trop pire, ça carry tellement sur le dire. Eh non. La petite claque. J'ai mis la baffe d'ours, littéralement. Hop là, j'ai stun, j'ai cancel son dash. Mec, je pense que quand il me voit, son cœur il doit se mettre à palpiter. Je le tue en boucle, le pauvre. Bon, bah, écoute, ça se passe bien mieux que ce que je pensais. Vas-y, je te fais le buzz si tu veux. T'as vu ça, mec, avec notre 38% de moonrate sur le Alistar hein. C'est pas le Alistar qui nous fait gagner, hein, je t'avouerai. Ah, unlucky. Oh putain, sérieux.
Ça m'arrive une game sur deux. J'avais même pas le tick dessus pourtant, mais. Si je décidais que t'avais pas scrit. Il y a une Lulu là, je vais la chercher. Qui vient de ward. Il y a peut-être une Lulu qui arrive vers toi dans les bots. Je courrais, ça me... Putain, mais ça se passe bien partout, c'est incroyable. Hop, on fait claquer des trucs. Je pourrais commit sur la triste, mais pas besoin en vrai. 1600 gold, mon prochain item. Il s'ouvre à chaque fois, il est trop mignon. C'est marrant quand je joue Udyr, ça se passe mieux mes games. Vraiment, mais vraiment tu cours, bizarre. Mais tu cours, mais c'est plus efficace. Bah, je cours, mais je touche les gens en fait avant d'être mort. C'est vraiment bien parce que bon. Le Olaf de tout à l'heure là, c'était quand même un peu technique. Hein. Oh oui, il a Lulu. Oh non, tire pas ma ping toi. J'ai mis le tigre avant qu'il flash. T'as dit start, tu es mort. Voilà, on va aller chercher là. Faut que je fasse gaffe à l'ulti de Vel'Koz quand même. Il y a un Renek là. Des petits dégâts, c'est rentable, vas-y je vais pouvoir back. Oh non, je vais clear, Drake 55 secondes après. Je sais pas ce qu'il fout là le Renek, le son il a stomp la top lane, ouais c'est pas mal ça. Enfin il a pas stomp mais il push quoi. Le jeu pour ça peut-être hein. Non non Drake d'abord. C'est incroyable. Il m'a arnaqué. J'ai pris un combo. Ouais, ça. Ça pique un hein, Vel'Koz qui place un combo, c'est clair. Aïe, aïe, aïe. Mec, toutes les lanes sont fine, incroyable. Putain, pourtant, les stats sur le papier, c'était pas ça. Hein. La Kai'Sa qui a l'air pas dégueu en vrai, hein, de ce que je vois. Elle fait des petits. Elle s'est bien remise lors de début de game compliqué. Hein. Vas-y Lulu, on fait la course. Je te chase à l'infini moi. Jure que tu l'attrapes. T'attrapes une Lulu. Eh écoute, il semblerait. Bon, je lui ai fait claquer l'ulti Ignite. Clairement rentable. Go 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 Drake. Ouais, je l'ai fait claquer beaucoup, moi ça m'a coûté absolument rien, donc 100% rentable. J'ai pas de smite. C'est good, vas-y triste. Bon, mais c'est la game parfaite, hein. Oui. La fameuse. Oh la Tristana. Ah, j'ai raté mon dash. Je suis un giga bouffe. Je me suis pris le mur dans le dash. Je pense que je passais le kill sinon. Un combo et c'était fini. Dommage. Voilà, elle avait encore l'ulti non. Oui mais je la stun. Je la stun avec un dash et le temps qu'elle puisse lancer un sort elle est morte en fait, c'est le concept. Mais j'ai mal placé le dash. Hein. J'ai un Vel'Koz par là. Non, peut-être par là. Je check la vision, ils ont pas de ward. J'ai toute une jungle. Oh oui, c'est Vel'Koz. Ah, c'est mort là. Vas-y, go pas grid. Je vais faire un petit full clear moi. Ça fait plus tout à l'heure que je farm pas. Je suis un peu en retard niveau farm. Je devrais avoir 190 à ce timing. Crash, j'ai mes 4 levels à Zac, mec, c'est dramatique. Il va pas passer un bon moment. Un
Ok, c'est bien le Herald juste avant le timing où il dépop. Oh, je viens de la voler. Propre la Kai'Sa en vrai, je m'attendais vraiment à ce que ce soit compliqué. Mais... C'est caché le Herald. Oh, il y a lui qui se suicide d'ailleurs. Il y a Triss qui est en train de push bot. De réussir à voler. Je vais reset et je vais la chase. Bon, je crois que je pense que c'est terminé. C'est un match là. Non, c'est un no match plutôt. Mec, mon nombre de kills, c'est le nombre de kills de la team adverse. C'est quand même pas de chance. Et il pourrait FF. Hein. Bah ouais. Oh, après, Triste, vu les stats qu'elle a, elle est peut-être en mode je peux carry et tout, je sais pas, tu vois. Mais... De ce que j'ai vu, c'est pas... je vais laisser le farm à Kai'Sa. Donc à cause d'elle, il faut ruiner le mental de Tristana. Non, on va pas essayer de ruiner le mental de qui que ce soit. On va juste ruiner la jungle de Zac, ce sera très bien. Je vais faire des catchs là. Je veux trouver des proies. On peut faire Nashor. On peut faire Nashor ou on peut essayer de faire des catchs. S'amuser. Ouais, on pourrait Nash en vrai. Mais... Après, si on fait Nash, on prend le risque que peut-être ça se passe mal, tu vois. Alors que juste si on continue de leur mettre full pression. C'est ça qu'il arrête pas de s'arrêter pour écrire. 100% il est en train de flammer tous ses potes là. Allez hop, ça coûte ta vie. Crash, j'ai encore raté mon dash. Oh, il fonde. Bah là, ouais, j'ai quelques dégâts, effectivement. On peut, là, on peut nage par contre. Hein. Oh putain, premier but de la game. C'est 5 level diff en jungle, c'est quand même pas de chance. Ça fait un moment qu'il a pas vu un camp de sa jungle up, le pauvre Zac. Je t'avouerais qu'il doit être un peu au bout de sa vie. Il va se faire insulter par 4 gars là. A chaque fois que je le vois, il est arrêté, il est en train de répondre à un message de haine qu'il reçoit. Le truc, c'est qu'une fois que je suis parti bien dans la game, après il peut plus rien faire. Allez, je te laisse celui-là, tu l'as. Bien joué. Wouhou. Bien joué, mec. T'es assuré. Ouais, effectivement, fun of Zac. T'es sûr? Infeeding et AFK toxique, ça commence à faire beaucoup par contre là. Allez, viens ici. Il a bouffé son petit flash avec le cause là, t'inquiète qu'il l'avait mérité celui-là. Bon bah ça fait plaisir, c'était une petite game propre de la part du joueur français. Oh non. GG, t'as bien géré ta lane toi aussi. Ouais, c'est bien passé. GG, GG. Allez hop, t'as mérité ton super leader. Moi je mets un sang froid à Sion. Il a fait son job de top laner, c'était parfait. Rien à redire. Il va voir les graphes. Putain, un Kai'Sa qui a plus de gold que moi quand même. Rah, je mets 7 levels à Zac, mec. C'est vraiment pas de chance. Il a gagné 5000 gold. C'est vraiment pas de chance. Zac is sad. Il va voir les dégâts. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, c'est compliqué. Ouais. Bon bah écoute, GG mec, propre, t'as bien géré ta lane. Moi je me suis un peu baladé, c'était plutôt plaisant tout ça. C'était plutôt facile, ça change dans les autres games. Wipe.